Mais c'est ce que je leur disais, tout ça je suis venu devant. Thank you.
C'est mon cousin, Tati. Ça va aller? Merci, Ramona. Merci. Merci, merci. Calvaire.
qui dans la nuit éclaire ton chemin, tu comprendras bientôt tous les mystères quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant, il chassera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan, même la mort à ses armes. En son sauveur, vie éternellement. Amen. 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 Germain, Flora et Germaine, nous aurions voulu être ailleurs en cet après-midi. Nous aurions voulu être attablés et goûter à ces beaux petits plats, n'est-ce pas? Oui, souvenirs. Souvenirs, souvenirs. Nous aurions voulu être là à chanter et à louer le Seigneur pour ses bontés et ses grâces manifestées envers nous. Mais nous voilà ici, en cet après-midi, depuis que par Adam, le péché est entré sur cette terre. Et comme l'a dit le pasteur lors de sa prédication, si malheureusement nous sommes ici, nous pouvons tout de même dire gloire à Dieu. Parce que si le péché est entré sur cette terre à cause d'Adam, il a été vaincu à la croix du calvaire par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Alors, en cet instant, effectivement, la disparition de ton épouse, de votre mère, laisse un vide dans votre cœur, un vide dans votre âme, qui se trouve être dévasté. 63 ans, ce n'est pas deux jours. C'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Laissez-le parler. Il sait ce qu'il dit. Et effectivement, Dieu nous l'a prêté, vous l'a prêté pour 93. Amen. Amen. Et donc, je voudrais vous dire que Jésus sait ce que vous ressentez en cet instant. Chères familles, chers amis, proches, Jésus sait ce que vous ressentez en cet instant. Et il a un message pour chacun d'entre vous. Tu ne seras jamais seul. Amen. Il te dit en cet instant que ma grâce et ma paix te suffisent. Et en cet après-midi, je voudrais vous dire que le baume de Galaad, qu'est Jésus, eh bien, apaisera vos douleurs, apaisera vos peines. Dans quelques instants, dans quelques heures, quand vous serez rentrés à la maison, quand nous aussi nous serons rentrés à la maison, c'est à ce moment-là que les choses deviendront plus compliquées. Mais je puis vous dire que Jésus sera toujours à vos côtés. Amen. Alors, je voudrais terminer avec ces paroles
que nous retrouvons dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Des paroles d'encouragement et d'exhortation, des paroles d'espérance. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Je dis amen à cela. Puis nous, les vivants, puis nous qui vivrons et qui resterons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, chère famille, c'est pourquoi Germain, c'est pourquoi Flora, c'est pourquoi Germaine, consolez-vous par ces paroles. Amen. Je vous invite maintenant à incliner la tête. Notre Dieu et notre Père, cet instant que nous vivons en présentement, nous aurions voulu ne pas la connaître. Mais nous sommes ici en cet après-midi afin d'entourer cette famille, afin d'entourer nos amis, afin de leur manifester notre amour. Et Seigneur, nous te remercions du fait que nous soyons nombreux ici afin de leur prodiguer notre affection. Seigneur, le fait que nous soyons là signifie également que toi-même tu descends en cet instant parmi nous afin de les toucher, afin de les encourager, afin qu'à travers nous, ils ressentent ta présence et ton appui, ton réconfort. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier cette famille. Elle aura besoin de toi plus qu'hier. Elle aura besoin de ton secours, de ton appui. Elle aura besoin de toi lorsque les tumultes seront tus, lorsque le silence sera pesant. Parce que Seigneur, même si elle était malade, elle était encore vivante. Et notre Dieu, notre Père, si nous pleurons en cet instant, si cette famille pleure en cet instant, tu nous as également enseigné que c'est pour un temps. Car tu donnes rendez-vous à chacun ici présent, et particulièrement à notre sœur ici qui repose. Tu donnes à chacun rendez-vous au grand jour de la résurrection. Au grand jour où toi, Seigneur Jésus, tu apparaîtras sur les nuées des cieux. Mais en attendant, tu invites chacun de nous à reconsidérer sa situation au regard de ta parole. De telle sorte que nous puissions, Seigneur, nous accrocher à toi. Et que tous ensemble, nous soyons présents pour t'acclamer. Et revoir notre sœur. Que Germain, Flora et Germaine s'accrochent à toi, Seigneur, afin de revoir leur épouse et leur mère. Ô notre Dieu, notre Père, nous te les confions dans tes bras d'amour. Tu feras plus que n'importe lequel d'entre nous pour chacun d'eux. Et nous t'en remercions déjà pour ce que tu as fait. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. 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 Juste avant le chant, je voudrais profiter de quelques instants pour vous présenter les condoléances de l'église d'Elim, au Lamantin, ainsi que de la chorale de Cœur d'Elim. Merci beaucoup. Avant donc de déposer Zézette. Dans ce lieu où elle va se reposer, nous voulons, au nom de la famille, remercier tous ceux qui nous ont assistés cet après-midi. Merci pour la liturgie. Toute cette expression de chant qui exprimait tout l'amour qu'ils avaient dans le cœur. Merci de votre présence, amis, voisins, ces sœurs, ces frères qui sont là, les neveux et nièces. Depuis mardi soir, je les vois entrer, sortir. Merci pour tes forces, la Zotaba famille. Mais je voulais dire à Germaine, nous parlons à la radio. Hein? D'accord, que tout va m'embêter, mais je vais venir chez nous. On va pousser, hein? D'accord? Nous
Remercions Dieu pour ces 93 années qu'il nous a prêtées. Maman, mon épouse Tati. D'accord, Mamoun, comme les enfants l'appellent. Et nous disons à la famille qu'il y a toute une grande famille autour d'eux. Alors, on ne vous lâche pas. Tu as cité quelques amis. Mais peut-être que ceux que tu n'as pas pu citer sont encore aussi nombreux. Tout à fait. Et nous vous remercions tous. Et le moment est venu pour qu'elle puisse aller se reposer en paix. Et nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tandis que les officiers de qui profitent vont faire le service d'animation, nous allons eh bien, durant ce moment avoir un temps de chant de louange, d'adoration, de partage. Et le premier chant que je voulais vous poser à chanter ensemble, c'est le numéro 80 de notre recueil Hymne Louange, qui nous permet de juste exprimer le fait que nous devons exalter et glorifier notre Dieu en tout temps et pour toutes choses. Il est vrai que la mort a été au rendez-vous depuis lorsque Caïn, la mort est apparue. Mais il y a eu un rendez-vous fatal pour la mort, c'est lorsque Jésus est descendu dans la tombe et qu'il est remonté au matin du troisième jour, les doigts pointés sur la mort, disant « Où est ta victoire, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort est déjà cassé depuis lors où Jésus est sorti de la tombe. Maintenant, c'est une diversion diable qui a fait là, et c'est volonté bon Dieu qui s'est fait comme ça. Donc là, à présent, nous avons mis bien-aimés nous, dans le lieu de repos, dans la salle d'attente, en attendant que lorsque le Seigneur reviendra. Mais pour le moment, nous voulons glorifier, exalter notre Dieu, parce qu'il a été victorieux sur la mort. Christ est ressuscité. Quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. Son triomphe en tout lieu soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sorti vainqueur, prince de vie et prince de paix. Cherchons-lui toujours, ô peuple racheté, ô peuple racheté, prends ses secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur. Prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, 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 gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons. Nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi. En ce moment, pour que nous puissions nous tenir devant notre Seigneur, ce n'est pas devant le trône, devant, je ne sais pas où est-ce que nous sommes exactement, mais pour le contempler et le louer et voir même jeter à ses pieds nos couronnes. Contemplez mon Dieu sur son trône.
vivre avec Jésus dans le ciel. C'est là notre espérance à tous, si je veux bien le voir. Nous tous qui sommes présents ici en cet instant. Au numéro 394, si vous voulez suivre. Contemplez mon Dieu, ensemble. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie. Revoir mes amis dans le ciel. Posséder l'immortelle vie. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel. Dans la gloire, près du trône de l'Éternel, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Oui, alléluia, parce que nous sommes dans ce bonheur éternel. Nous ne pouvons pas rien faire, puis tout souffrance en nous n'y a pas. Nous ne pouvons pas aller changer sa pièce. C'est pourquoi je vous dis, gardons notre espérance. Gardons notre cap sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Nous pouvons nous appuyer aujourd'hui. Parce que c'est ton dernier là avec tous les mouvements politiques, nous devons croire dans l'eau parmi ces états-là, mais à certains moments, nous ne savons pas qui nous peut voter. Mais après-midi, on le dit que nous allons voter par Jésus. Oh, alléluia. Parce que notre espérance est en Jésus-Christ. Et même au devant de la mort, nous ne pouvons pas mêler pour nous dire ça. Parce que c'est lui qui toute force. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête est rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si venait à douter, accablé, Dieu anime toujours. Ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien, il est mon rempart.
ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête me dérange, l'Éternel. Oui. Car c'est pour très bientôt. Amen. Et vraiment très bientôt. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est mon dit de commande pour l'homme à ouvrir un jour que je me dis qu'il a fini bientôt. Il dit, mais depuis le jour où on a dit ça, il va revenir. C'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça. Il m'a dit non, Dieu n'est ni, on ne peut citer de ni dans le temps, ni dans l'espace. Mais pour ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ, bientôt, très bientôt, ça va y faire. Amen. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. La même, la même, la même, la même, la même. Baille la voix, nous caille monter. La même, la même, la même. Baille la voix, nous caille monter. La même, la même, la même. Baille la voix, nous caille monter. Alléluia, oh, alléluia. Oui, nous caille joindre mon Dieu. La même en foi même. La même en foi même. Baille la voix, nous caille monter. La même en foi même. Baille la voix, nous caille monter. Oui, caille monter. La même en foi même. Baille la voix, nous caille monter. Alléluia, oh, alléluia. We do kai when God is soon not very soon. Soon not very soon. We are going to see the King. Soon not very soon. We are going to see the King. Soon not very soon. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Hallelujah, hallelujah, nous verrons le Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur.
victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt Emmanuel. Je marcherai avec Dieu, et je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Et je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs vivent en sorte, je possède sa maison au palais doré. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Et quand Jésus reviendra, je m'en irai là-haut. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, et il dit, c'est pour moi, je te conserve ma beauté. J'ai mis 29 verset 11, j'aime pas. Dans tous les cas, c'est le texte. 31 verset 3. Très bien. Alors, nous voulons terminer avec cette déclaration d'amour. Ne craignez, je t'aime, je suis amour.
la foi. La sombre vallée, la pluie de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Germain, vous avez un challenge à parler maintenant. C'est que vous êtes chébé dans mes bonnes pour nous parler parce que là où elle est, nous allons lever là. Premier bagage, regardez, et Tiflo. Mais oui, je suis là. C'est des blagues à toute diversion. Ça va arriver en bout là. Mais là, c'est en bout là. Alors, nous pas tchébé. Tchébé fort. Merci. Il y a quelque chose qui descend là. Oui, tout va faire comme les plus. Oui, c'est ça. En tous les cas, merci tout le monde. Merci encore. Merci d'être venu jusqu'ici avec nous. Merci. Germaine, c'est la maison. Germaine, c'est la maison. Je vais vous poser ces questions. Merci.